Serge. J'arrive pas à les arrêter. Mais c'est pas grave. Oui, Dr. Tilson, vous êtes là? Oh, bon sang! Quand votre signal a été coupé... Écoutez-moi, docteur. Vous devez donner l'ordre d'évacuation de la station. Mais on a essayé! Ah. Les Covenant, ils ont déjà envoyé l'atterrissage. Y'a que toi. Dégager une voie d'évacuation. Y'a que toi. Écoute, comme ça, on sait. Toi, tu l'aurais pas fait. Oh, qu'est-ce que... Ah ah! Ah, j'ai tué un élite, mais je prenais trop de tirs, je vais me battre en retraite. Oh, c'est une grosse. Non, c'est pas une grosse, c'est la charge explosive. Ah, ouais, bien. Oh merde! Alors, ça, c'est un PGM, mon gars. Pardon? Ah, c'est toi qui l'as eu? T'es au courant que j'étais en train de lui tirer dessus, mais comme jamais! Ok, parce qu'en gros, j'ai sauté, j'ai mis deux tirs et j'ai vu qu'il était mort, j'étais, oh, je suis si fort et tout. En fait, non. On va utiliser tes boucliers pour te déplacer. Ah, ouais, mais Oh! C'est ce que j'ai fait rebondir avec le bouclier. Vas-y. Une supercharge de plasma vert. Ah oui, ok. Sniper. J'ai plus de balles. Sniper down. Merci. Essaye de choper l'élite. Vas-y, fume-le. Super. Merci du coup de main, Luna. Tu l'avais déjà battu en fait. Ok. Un fils sniper covenant. Ah, regarde, regarde, regarde. Ah, j'aurais espéré qu'il s'éclate dedans. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. C'est la merde à gauche. Ah, down. Ouais. J'espère ce qu'on sait le mieux faire. Balancer des grues. Alors, vraiment, je vois pas ce. Je sais pas ce que tu as contre la charge explosive parce que j'ai de moi de shooter un élite là. Ah non, bah ouais, mais c'est juste que t'as peu de munitions au final. Sorry, l'épée a mis un peu de temps à s'activer. Ah, non, c'est pas grave. Ah, ça semble une vraie station spatiale. Dégage de là, toi! Laisse-moi monter! On peut pas les prendre, c'est ça? C'était quoi? Les Covenant. Les Covenant ont abattu la première navette. La station doit être équipée de tours à l'extérieur. Il y a un lance-col, si ça t'intéresse. J'arrive pas, mais je vais encore l'utiliser en pagaille, je pense. C'est l'élite qui a survécu, c'est ça? Non. Bien. Oula. Oh! Putain, mais non! Sorry, Lunar! Putain, mais j'ai héroïquement t'aider et je... voilà comment je te remercie! Non, mais parce qu'en plus, je me dis, je vais lui foutre un coup, je vais me retourner, je vais mettre un coup de fusil à pompe, et d'un coup, pas! Ah, c'est Lunar qui a pris le coup de fusil à pompe! Ouais! Oh non, viens voir! Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir! Viens quoi, voir. Tu veux que je vois quoi? T'es mains! Trouvez le docteur Tilson. D'accord, monsieur. On est dans un ascenseur géant. Apparemment. Il y a un énorme effet
Et Casimir à l'extérieur de l'atrium. Ah, on a fait Casimir. Putain, et moi comme un connard, je m'approche de la baie vitrée, forcément. Il veut voir un peu de plus près. Voilà. Et là, on peut s'approcher, par contre. Ça a pas l'air gentil comme truc. Pourquoi les effets Casimir Bah, il est en train de le voler. Oh, le cheater. Eh, Lunar. Vas-y, cours. Voilà. Alors, pauvre Syrah, Camille a dit que t'étais moche. J'aime bien la musique. Au revoir. La Terre. Vous voyez voir. Ah ouais, la Terre, effectivement. Ah, le bâtard, il veut tous nous tuer. Affirmatif, chef. Où est le capitaine? C'est un gros canon, ça. Ah, j'ai l'impression d'attaquer l'étoile de la mort, là. Ouais. En version dure, quoi. Ou alors les courses, un mélange entre l'étoile de la mort et les courses de... de GTA. Ou la mission de Centro-4 que tu dois t'enfuir du vaisseau en zigzagant comme ça aussi. Mais quoi? Dans Centro-4, t'as une mission comme ça où tu zigzagues entre des boucliers, c'est vraiment la mort. On t'y vole pas. En fait, avec contrôle souris, c'est bien plus facile. Tu m'étonnes. Ah merde, fallait aller en haut pour aller péter des bouboules. Major, le groupe de combat est en trajectoire d'interception. Mais à ce rythme, le vaisseau du Didact atteindra notre base dans 2 minutes. Commandant, tous les vaisseaux sur le recomposeur. Entendu, Major. Ah ouais, j'aurais dû accélérer. Ah, toi aussi? Bah, j'étais dans ton sillage, donc Ok. Plus qu'un canon. Vas-y, Mina. Armement, je veux une solution de tir. Nous avons promis au Major de le faire entrer et je vais pas le laisser tomber. Luc. Bien joué. C'était le dernier. Vous pouvez approcher. Merci, Major. Vous devriez reculer un peu. Batterie principale. Feu! Putain, bien. Pour une fois que les vaisseaux terriens servent à quelque chose. Joli tir. Nous procédons à la pénétration. Merci. Sachez qu'on sera à la station. Transmettez mes salutations au Didact. Infinity terminé. Putain, quand je dis que la skill est trop stylée. Ouais, j'avoue que le personnage est classe. Qu'est-ce qu'on chasse, Syrah? Le Didact. Tu sais comment on appelle l'entraînement du Didact? Le Didacticiel. Oui. Non, mais j'avais fait la vanne hier en plus. Avant-hier plutôt. Bah, je sais plus. Ah ouais? J'avais fait la vanne. Ça me dit rien. Plan B. Ouais, je suis fou. Ok. En fait, c'était pas par là, Major. Ah ouais. Oh. Connasse. Sûrement un truc activé, je sais pas. Ouais, une porte. Regardez Google. Oh merde. Je vous le promets. Ah ok. Je me débrouille encore pas trop mal. J'ai détecté une signature d'énergie. Les Forerunners, ils se font pas chier avec les ascenseurs. Ils aiment bien les sensations fortes aussi. Je dois trouver le recomposeur. Je sais pas s'il est en panne avant de toucher le sol, donc
T'as vu le nombre de chevaliers qu'il y a sur place là? Enfin, je sais pas si c'est des chevaliers. Non, non, c'est des drones. Est-ce que c'est mieux? Bon, de toute façon, tout le monde se téléporte. Et paf! Oula! Oula! Je suis marin. Je suis dans le... Bon, il y a un fusil binaire qui traîne. Bien joué. Ah, mais c'est une blague! Quoi, t'es encore mort? Mais oui! Maintenant, ressens ce que je ressens quand tu me fais respawn plusieurs fois et que je meurs à chaque fois. Oh putain, il y a encore un chevalier. Moi aussi, je veux un fusil binaire. Ouais, mais moi j'avais la mitraillette. Dans le portail! Désolé, je ne contrôle pas mes processeurs. Ouh! Oh, un canon incendiaire. Et le didacte alors? Je peux plus me cacher. Je vais essayer de vous... Linar. Quoi? Théma. Théma quoi? Derrière. Rien. Ah, salaud. M'en fous, j'ai récupéré des grenades. Fusil à pompe, c'est pas mal ça. T'es prêt? Oh ouais. Oui, yeah. Voilà comment on fait. Alors lui il a pris pour tous les autres. Regarde. Oh, je vais mourir. Et voilà, France Beaubourin, le retour. Mais j'ai un marteau gros. Des go pour nous avec le marteau. Oh, je suis de la merde. Oh. Oh là 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 là. Alors je tiens à dire que le fusil incendiaire que tu disais que c'est de la merde, ça one shot les chevaliers. Hein. Non, non, en vrai il est bien, mais le problème c'est que j'utilisais à longue distance et faut pas du tout. Il y a des grenades covenantes ici, Lunar. Je sais, je les récupère tout le temps. Oui, bah je vois que tu communiques vachement avec tes coéquipiers. Bah je l'ai dit, mais comme d'habitude t'écoutes vachement. Tant t'auras pas une voix aussi monotone et nasillarde. Putain, je vais te taper. Ouais. Bah, bon. Bah enfin, Lunar. Alors, ça t'était pas destiné. C'était pas essentiel. L'important est l'essentiel. La rapatriure de Frondo qui prend 8 ans. Ouais, parce qu'il y a des tout, il y a des claps là. Vraiment. C'est mérité. Attends, j'ai survécu plus longtemps que toi. Bah ouais, évidemment, je me suis tué par toi. Je te laisse te tuer du coup, hein, régale-toi. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu faire des... J'ai vu faire des petits jeux de main en mode « Allez-y, il est là-bas !» Et en vrai, les chiens, je comprends pas que tu galères dessus. Hein. Mais gros, j'avais une simple mitrailleuse. Très simple, tu les tues avec. Et je vais tirer dans l'œil en plus d'une arme. Oh, il y en a qui a un lance-flamme aussi. Enfin, non, tu m'as compris quoi. Oui, c'est celui qui nous a tué tout à l'heure. Oui. Il est là le truc. En train de me dire, il va taper Lunar avec son marteau sans faire rien. Ah, point de contrôle. Où êtes-vous? Le didacte dissimule le recomposeur. Olé. Hola. Yeah. Olé. Il n'y a plus. Tu veux pas de test.
Point de contrôle, allez. Allez, comprenez un peu. Eh, on est sûr que c'est Cortana mais pas Internet Explorer par hasard. Aïe aïe. Pardon que la musique est sympa parce que c'est putain ce CRS de l'espace. C'était assez classe ce coup de jetant que bouclier pendant que tu tires. Ouais ouais, c'est... tu pourras demander à Baptiste, j'avais juste une toute petite ouverture en plus. Fusil binaire. Des... Oh. Non c'est pas un binaire, c'est un fusil léger. Ok. Bon, on prévient le jeu, j'en ai marre de défoncer des chevaliers là. Oh putain. Ouais, t'as ouvert ta gueule. Ouais, des fois je me déteste. Je veux dire, on vient de le faire là, c'est pas drôle. Je viens de me faire tuer par ton truc. Ouais, j'ai vu. Et pouf, plus de pont de lumière. Ouais, c'est une question que je me pose également. Allons-y, guerrier. Qu'on en finisse. Guerrier. Ouais. Homme libre enroulé. Ah, je suis dans le chat. Regarde le seigneur Sith là. Vous faites fausse route. Mi-Sith, mi-vampire quand même. D'accord, t'en vas de faire des trucs pour toi. Coucou. Votre compassion pour l'humanité est inutile. Je ne fais pas ça pour l'humanité. Quoi, Cortana était dans le bondage. Toujours la réplique Saint-Lord, est-ce que je vois? T'as dit quoi? Oh, c'est un vieux QTE, non, pitié. Bon, ça doit faire mal. Ouais, mais... Eh ouais, Palpatine. Oui. Alors le didacte. T'aurais dû mieux fait d'être autodidacte contre les grenades. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas bien fait le didacticiel, hein. Je vais sauver l'humanité, mais je suis une enfouette qui rampe. Avec une tête nucléaire dans la main. Brûlé au nord. Ah, et l'ordre de pierre feu. Oh, je connais pas la suite, hein. Yeah, si John 117 s'était transformé en spyware. Ouh. Ah, la scène de cul qu'on attend des temps. Peut-être enfin te toucher. Mais... Ne me regardez pas comme ça, on dirait que vous avez vu un fantôme. Mais en même temps... Mais si on est ici... Mais t'as une gueule de fantôme. Ça a marché. Ouais. Vous avez réussi. C'est une... Comme toujours. Un revenant. Un yurei. Un yurei, voilà. Comment on ressort d'ici?
Je ne vous accompagne pas cette fois. Quoi ? La majeure partie de moi est là. J'ai tenu le temps qu'il fallait pour vous faire sortir. Non. Ce n'est pas... Nous partons ensemble. C'est trop tard. T'as la valeur de succès là. Ouais. Alors en vrai tu vas avec un vaisseau comme ça dans un champ de débris, t'es sûr de jamais en revenir. T'es tout le Spartan. C'est des ODST.